Bonjour tout le monde, ici Batmac. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Child of Light, pour l'épisode numéro 2, qui a tardé à venir. Pour diverses raisons, j'étais occupé sur plus de différents projets, toujours un peu, puis d'autres affaires comme ça. Donc, avant qu'on débute, on va débuter là en instant. Donc, on va vous tout dire. Donc, on va se retrouver là, à la suite de l'épisode numéro 1, donc avec le chapitre 2. On avait débuté. Donc, c'est ce qu'on va faire un instant. Donc, on se retrouve avec Aurore encore une fois. Alors, là, il faut que je me remette dans les contrôles. Parce que ça fait longtemps qu'on n'y ai pas joué. Ok, ouais, ça revient. Donc, ce jeu est toujours aussi poétique puis toujours aussi merveilleux. Que je vous fais découvrir. Donc, si je parle pas gros, ben, excusez-moi d'avance parce que je me concentre. Là, on s'en va par ici. Là, comme toujours, comme d'habitude, lors de ce thématique, je me tais. Ah, un rubis brut. Ok. Là, on va avoir sûrement des nouveaux monstres à battre. Ouais, c'est ça. Donc, oui, je vais. Je ne perds pas toujours les combats, je vais toujours les. Ben, je sais pas. Ok, ça c'est ce qu'on nous parle de qu'est-ce qu'on je vous avais déjà montré. Attendez, ouais. Donc, on va voir si comme je vous dis, plus cette avance si je vous fais des actions, pas des actions. Des coupeurs de combat. On va être rendu là. Ben. On n'oublie pas que je sauvegarde toujours automatiquement. Là, je peux pas rien faire, je peux pas sauter en haut. Suis-moi la voie. Travers ce sinistre endroit. On n'a pas le choix. Là, il y a un passage par là. Il y a un passage en bas. Ok, c'est un monstre. Mais moi, j'aime tout espérer. Puis ça m'écoeure de laisser de la faire à côté. Je sais que je vais le faire avec vous. Ok, faut aller en haut. On va aller en bas, là-bas. En premier. Non, j'espère qu'on va arriver au moins au chapitre 3 d'ici la fin de la vidéo. C'est ce qu'on va voir. Bon, les combats sont un petit peu plus longs parce qu'on a beaucoup plus d'ennemis. Ils sont plus forts que qu'est-ce que. On verra éventuellement si je devrais pas faire un peu de session de training, je pense pas. C'est pas le genre de jeu qui est difficile à jouer. J'essaie de lui sortir, ça c'est parfait. J'ai bien fait de descendre. On va avancer encore par le haut à cette fois-là. Ok,
on le sait. Ça, je vous l'avais pas dit, mais c'est vrai que certains ennemis sont vulnérables à l'attaque physique, puis d'autres à magie, donc... Ça, c'est de quoi il faut garder en tête. Je vais chercher l'ennemi, là. Et comme d'habitude, on vient de monter un peu de niveau, donc au début ça va assez vite, donc ça va me permettre de dépenser mes points de compétence vers les catégories la catégorie qui m'intéresse. Déjà, je vais juste essayer de retrouver. C'était celle-là? Non. Non, c'est vers le bas, c'est ça. Rayon lumineux. Parce que contre-attaque va être utile pour des boss. Puis pas juste des boss. Puis un bonus de défense magique, on prend très bien. Puis d'esquive aussi par la suite là. Et je vais au moins en aller en contre-attaque ici. Pour commencer. Ensuite de ça, comme je disais, éventuellement, je vais essayer d'aller vers ma défense ici. Ce qui va être bon. Puis, Flash Stellar, là, un des deux. Flash Stellar, Amiri va être vraiment efficace. Je pense que ça va être vraiment la branche que... En tout cas, on verra rendu là. Ok. Là, je sens que c'est là qu'on doit aller. Si ma maman ne me dit pas de défaut. Ah, on a... Aurora. La porte est bloquée. Comment la déverrouiller? On a un autre énigme à Arizona. Donc... Merci, Pierre. Ah non, c'est vrai. Je m'en souviens. Mieux que ça. C'est vrai qu'on se souvient qu'on pouvait pas monter. On peut juste sauter pour l'instant. Donc, on va tasser la caisse. Essayer de sauter ici. Et voilà. On va faire un petit combat. Toujours pratique. Ok. On taille moins. Ah, ok. En taille plus va être pratique plus tard. J'aurais du mal à aller vers ça. Parce que... comment dire? Allez, mais elle m'énerve là, la gargouille. Ok, voilà, ouais, défendre ça, c'est le coup que je vous avais pas dit, puis si défendre empêche de t'interrompre. Puis on peut se guérir avec eux. Avec Luciane. Là, ouais, je reviens en bas. Aucun intérêt. On va se guérir un peu. J'aime avoir le maximum de PV. On va continuer. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un boss va se pointer.
Comment faire pour monter? Si seulement tu pouvais voler. Les oculis auraient éliminé. Je vais essayer. On va voir juste avant. Vérifier qu'il n'y a pas de coffre qui traîne. Ok. Je ne veux pas aller plus loin. Bon, j'aurais pu juste déplacer Luciole. Mais je sens que, là, si je me souviens bien, c'est aussi con que ça. De toute façon. Ah, ok. Comme ça. Bon, que font-ils rôtir dans ces bacs, selon toi? Pas d'enfants, j'espère. Oh non. Je vais manquer le bout de la parole. J'espère que vous avez eu le temps de le lire. Bon. Là, faut que j'aille, faut que j'aille, faut que j'aille où? Hey, je m'en souviens déjà plus. Ça fait trop longtemps que j'ai fait le jeu. Pour moi, faut que je pousse la caisse en bas. La logique voudrait. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Là, faut jeter leur caisse, ça j'ai compris. Ça. Là. Ouais, mais comment que je fais pour. Je remets à la même place, moi. Ah oui, la poignée. La manivelle, je vais aider. Ben oui, ça fait lever une plateforme. Ensuite de ça, si je dis pas de bêtises, j'espère que je me suis pas trompé. Ouais, tu qu'est-ce qui est né, mais pas ma force. Donc, ça se peut que je m'ai trompé un peu. Ah non, ok. La plateforme monte puis descend du soleil. Je pensais qu'il fallait que j'aille ici. Je pointe là avec lui qui s'appelle, je me souviens pas. Notre ami, je pensais qu'il fallait que je saute à ce parfum-là jusqu'à ici. Mais c'est pas le cas. Ah, ça me prend une caisse. Ah, non. Tu me niaises, j'ai mis la caisse de mauvais bord, tu vas me dire. Non, même pas. Ouais, je pense que je viens de me tromper dans les nerfs. Ah non, ok. J'ai compris. La caisse en bas, j'ai poussé dans le coin de la droite. Faut que je le mette là-dessus. Puis ils vont me permettre de pousser, puis ensuite d'ouvrir la porte. On va se préparer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis moi, perdre du temps, j'aime pas ça. Et voilà, là je peux passer. Hey. Et on quitte ce fameux endroit. Pour une autre raison. Ah. Ça fait bon, yes. Ça m'amène là. Ça, ok. Oui, j'espère tout. Je prends bien le temps. Ça m'a tiré. Ah, merde, je viens de tomber. Ah, tu me dis, il faut que je rentre en dedans à nouveau, oui. Je viens de sauter, je me suis laissé tomber. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui est arrivé. J'espère juste qu'il ne faut pas que je fasse les nems au complet parce que. Non, maman, non. C'est bon. Ils ont prévu le coup, ils n'ont pas été aussi chiants que ça. Donc, on va regarder comme du monde. Avant de jouer un peu.
Un petit jamais. Je ne peux pas aller. De toute façon, je ne peux pas aller en haut. Donc, la seule façon d'aller, c'est d'aller là. Puis là, je sens que. Qu'est-ce qu'on nous donne? C'est pas pour rien. Là, je viens d'être embusqué. La pire affaire qui peut arriver. Qu'elle va m'interrompre. Non? Ah, oui, elle m'a interrompu. J'aurais dû aller chercher en Toy Plus. Ce qui aurait été mieux au début. J'ai pas joué. Vous le dites là, j'ai pas joué de jamais. Et là, je roule le portage. Bien, nous voilà. Sois présente, Aurora. Donc, on sait toujours pas c'est qui nous parle. Je vais juste me permettre d'aller. Ok, donc on revient là, ok, la porte qui est ouverte, ok, c'est parfait. Donc, on peut avancer. Peut-être pas dû faire ça. Peut-être le regretter. Parce que ça sent strictement le combat de boss. Parce qu'on nous avait donné beaucoup d'objets au départ. Enfin, nous arrivons. Un sort a été jeté. Attention, cette fenêtre cache ma prison. Ok, là. C'est quoi qu'il faut faire? Faut-tu éliminer? Non. Ah, peut-être oui, attends un peu. C'est ça. Quand c'est écrit ça, là, ok. Avec la lumière, comme on avait eu dans l'épisode précédent. Vous vous rappelez? Je peux sauter sa plateforme, c'est déjà pas payé. Ok, changer les patterns, ça c'est bon. Et le dernier, le vert. Un oui, voilà. Qui ose défier la reine de la nuit? Une petite chose aux cheveux de feu. Eh ouais, je l'avais prédit, hein, un combat de boss. Ah, je le sentais, puis j'ai quasiment. J'ai plus peur. Ce n'est que rêve. Reprenons des esprits, ça me semble bien réel et périlleux. Bon, j'ai plus de PM en plus. Non, magie. Parce que je pense que la magie a l'air de faire pas mal d'effets.
pour faire des farms. Ok. C'est bon. J'ai plus de PM. Merde. Je vais devoir la jouer comme ça. J'aurais dû peut-être faire quelques petits combats pour vraiment arriver au niveau. Niveau 6. J'ai plus d'arbres. J'espère que ça passe. Au moins d'un. Et je me mettais au moins à vie. On va au moins, c'est l'essentiel. Bon, 50 d'espérance. On l'a eu, on n'est pas mort. Bon, pas de magie. Attends, voici Aurora. Je suis pressé de ce rêve malgré moi. Je voudrais m'éveiller maintenant. Une vision, prends ma main, mon enfant. Il était une fois une jolie contrée, aux vallées scintillantes et aux pics enneigés. La nuit, des châteaux en ruine prenaient vie sous les feux d'albâtre, de la lune montante et des astres. Sur ce lieu régnait une reine de lumière. Belle et radieuse comme l'aurore, planant dans son palais, solitaire. Puis une nuit, d'elle il n'y eut plus trace. La reine avait disparu, et avec elle son éclat. Ainsi les ténèbres prirent sa place, dissimulant l'usurpatrice Umbra qui chargea ses filles d'un crime odieux. Elles volèrent le soleil, les étoiles et la lune, les arrachant des cieux, et la nuit survint. Oh l'infortune! Les créatures d'Umbra envahirent les Moria, nos vies effacées d'un claquement de doigts. Trajet, pareil, quand on y pense. Madame, pour cette histoire, merci. Je souhaiterais m'éveiller à présent. Mauricie t'a-t-il donc endormi? Je n'ai rien inventé, mon enfant. Tout autour de nous s'est allié Muria. Rien de si cinéré, Aurora. La seule issue, un lieu magique. Un miroir derrière le trône, volé par Umbra. La reine maléfique, pour enfin rentrer chez toi, tu devras chasser l'obscurité. Avec les étoiles, le soleil et la lune pour allier. Non, impossible. Mon père m'attend. La Luciole a dit que vous m'aideriez pour tout le temps. La Luciole a un nom. Reprends courage, voyons. J'ai créé Iniculus pour t'aider. Un insecte minuscule, quelle idée. Jamais je ne pourrais apporter les étoiles, le soleil et la lune. Courage, tu peux y arriver. Pour le soleil et la lune, vais à l'endroit le plus haut et le plus bas.
à l'endroit d'où tu viens, il te faut retourner. Passe au théâtre sur lequel ce jour tu t'éveillas. Franchis un arbre noueux aux épines affûtées. Et réunis des camarades au fil de tes pas. Et les étoiles pour vrai de moi. Comment atteindre les cieux? Ce cher enfant, la réponse est là, au-dessus de toi. Ouvre les yeux. Eh oui, on va avoir notre capitule volée comme que je parlais dans l'épisode 1. Que je pensais qu'on avait au départ, mais c'est pas le cas. Ah, mais il y a toujours aussi poétique ce jeu, toujours aussi beau et magnifique. Pourquoi je m'en lasse pas? Oh, c'est extraordinaire. Serais-je une fille? Mauvais-tu dans les arts? Auras-tu enfant de lumière? Écoute-moi bien, cette couronne enchantée, vois-tu? Sur ta tête, toujours elle doit rester. C'est entendu. Une dernière chose avant de m'en aller. Si jamais l'espoir venait à te manquer, merci. Bon, ok, on n'a pas d'autres phrases. Merci. À quoi qu'elle sert-elle exactement? Navré, je n'attends plus, mon enfant. Aurora, adieu. Oh, attendez, je dois savoir mon père. Il va bien? Hormis la nuit, je n'ai plus rien. Donc là, je ne retourne pas, il faut retourner sur nos pas. Puis là, on peut vraiment voler avec B. Puis là, on a vraiment. Aurora continua ainsi sa route dans la pénombre de la forêt, avec pour guide les étoiles, une luciole seule à ses côtés. Elle se languissait des siens, une famille la croyant perdue, dans sa quête du soleil, de la lune et d'un père de chagrin éperdu. Et quelque part dans la nuit, sur un trône ne lui appartenant pas, l'usurpatrice Umbra brûlait d'éteindre la flamme d'Aurora. Ok, ouais, on peut, c'est ça. On va devoir tourner au début, si j'ai bien, si on a bien compris. Mais vraiment, là, comme je disais aussi, on a la musique qui est magnifique, puis là, l'exploration débute. Le vrai plaisir du jeu débute. C'est dès l'exploration du jeu. Avancer l'histoire. Puis fouiller de. De A à Z. Puis là, on va faire beaucoup d'items qui vont nous être utiles pas au cours de notre voyage, mais que normalement. Fascinant. Quel bonheur de voler, c'est agréable. Vers le ciel, en avant. Vers l'ouest. Donc, ma foi, on peut difficilement se tromper là, sur la gauche, dirigeant nos ailes, pour voir l'arbre aux épines se dresser. Lucien, père de ciel. Donc il faut se. Faut juste me permettre de. Juste avant de vous lâcher. Récupérer ça. Une petite confession. Un item qui. Un collectable qu'on peut récupérer à mesure que le jeu avance. Qu'on va pouvoir récupérer dans le jeu. Je vais essayer de toutes les récupérer. Donc, pour vous montrer c'est quoi, ben c'est des petites lettres hein, qui n'en disent plus sur le jeu. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment... Oui. Et puis, on vient d'atteindre aussi en même temps la longueur où je voulais en être pour l'épisode. Donc là-dessus, après avoir dépensé le dernier point de compétence, on s'arrête là. Puis, on se revoit dans le prochain épisode pour un autre. Mais juste avant... Avec vous, la contre-attaque, j'aurais dû... Buzzers MP de PM, ça va être pas important. J'ai même l'impression que ça va être plus important que le contre-attaque. Parce que 10% de chance de contre-attaquer une créature obscure en cas d'attaque, c'est bien, mais c'est trop tôt. On a besoin vraiment de PM. Parce que là, on va croiser des ennemis qui vont être vraiment plus. Ou de bonus de force, là, mais qui vont être vraiment plus forts. Donc, j'ai comme le goût d'aller. Aller vers Flash Teller. Ou bonus PM. Bonus de force, ouais. Défense, on a vu les risques d'attaque, oui. Très long, ok. Ouais, non, c'est ça.
Prenez des esquives, ça serait bon. Mais un, c'est pas assez. Pendant qu'il t'aime. Encore là, c'est Libette. Ah, j'hésite là. En temps plus, prenez ça. La force, ça serait bien. Après cela, réduit les dégâts sur 60% en défense. Et augmente la vitesse dans la barre d'action de 70% au tour suivant. Ça va être pratique. On va s'en aller vers ça. Celui-là, il sait cette première compétence-là. Puis après ça, on va voir où on va s'en aller. Parce que bonus de force, il va en avoir besoin. Quand j'ai pas assez de PM, là. Donc là-dessus, comme je disais, je vous laisse. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. À commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va faire plaisir. Puis j'espère que la vidéo vous a plu. Le deuxième chapitre vous a plu. Donc là-dessus, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à l'épisode 3, tout le monde. Merci. Et bye. Je vais checker de quoi? Non, ok, je n'ai pas accès à la carte. Merci. Bye.